Cette expérience était cool. Ouais. Ça change un peu du classique très carré, etc. Parce qu'avec le hip-hop, les rappeurs, etc., ça ouvre de raison, on va dire. D'accord. Ouais. Beaucoup. Carrément. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Déjà les chorégraphies. Ouais. La plastique, j'ai pas trop aimé par contre le plastique. D'accord. Parce que j'ai pas trop aimé le plastique. Ça allait bien avec le hip-hop. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. C'était magique, la première fois qu'on est venu samedi dernier, j'ai eu des frissons de voir tout ce puzzle qui venait ensemble et cette énergie qui ressortait. Et pour moi, c'est la renaissance du hip-hop. Là. J'ai trouvé ça mais extraordinaire. Puis il y avait l'ambiance hip-hop, peace, on est tous calmes, même si ça peut être un peu stressant, on est tous calmes. Love, tout le monde est là en train de se checker, trop bien, ouais, super, tout le monde s'applaudit, on se connaît pas. Unity, on est tous unis. Et having fun, et je crois que tout le monde kiffe. Voilà, donc ça c'est le motto du hip-hop et je crois qu'on l'a retrouvé aujourd'hui. Donc c'est le classique rentre dans le motto hip-hop, peace, love, and care, having fun. Et c'était vraiment beau, grandiose. Enfin, il y a vraiment un truc qui était plus haut qu'on peut jamais faire avec en mettant une clé USB. Et... La batterie qui allait avec le classique. C'est vrai? Ça fait des trucs différents. D'accord. Pas le cas. D'accord. Je trouve que comme n'importe quelle institution, le conservatoire
doit évoluer, c'est un monde moderne, il y a des arts modernes dans les musées, il me semble. Mm-hmm. Donc le rap, d'autres arts comme musique comme le hip-hop, le jazz a certainement eu du mal à rentrer dans les conservatoires il y a 40 ans, et de la même façon, ça doit évoluer, donc je trouverais ça d'accord. très très bien au niveau de la danse, au niveau de la musique, à tous les niveaux. Moi, non, justement, je pense pas que ça doit rester un sanctuaire de la musique classique, parce que sinon ça serait l'ancrer vraiment juste dans le passé, et il faut que ça fasse les deux justement pour apprendre aux enfants aussi la musique de leur génération, et puis montrer que les deux ne sont pas complètement opposés, et qu'il y a des liens entre toutes les musiques. Quoi. Ah non, je crois que toutes les musiques, même si il y a eu du chant lyrique, des musiques africaines, tout est influencé, tout le hip-hop est influencé du blues, et aussi une musique magnifique qui peut être apprise. Non, je crois que tout est bon à prendre dans toutes les musiques, et le hip-hop, il y a le rythme, enfin, ce que tu as fait, c'est aussi valable qu'à mon avis tout morceau classique. Yeah. It's a shame you won't do the rap game, only for the money and the fame.
j'ai gagné. Non. Ah bon bah alors. Donc en fait le but de notre action c'est de faire pratiquer l'anglais aux jeunes par le biais de la musique hip-hop, donc le rap. D'accord. Et donc ça marche ? Ça marche, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on pratique et on voit les jeunes parlent plus anglais, ils ont moins peur, ils ont plus de confiance en eux quand ils parlent anglais. D'accord. Ils ont des bonnes notes à l'école, ils reviennent nous voir, ah madame, maintenant on a 16 en anglais, c'est super. Donc le but, nous, on n'apprend pas l'anglais, il y a l'école pour ça, mais c'est de les motiver à apprendre l'anglais, parce que souvent, ce qui manque, c'est une motivation, peut-être dans la musique, dans plein de choses, on n'est pas motivé. Là, le rap, ça les motive, parce qu'ils l'écoutent toute la journée, donc savoir ce que les rappeurs disent, c'est une vraie motivation, et la confiance en soi quand on rappe en anglais, après on a moins peur de parler en anglais, donc voilà, ça marche. En fait, au début, on étudie un texte en anglais, on étudie un peu l'histoire américaine, pourquoi le rappeur dit ça dans certains... Quelle référence il fait dans certaines de ses punchlines. Et une punchline, peux-tu nous dire, expliquer ce que c'est ? Une punchline, c'est une ligne, quand tu l'entends, ça tape, quoi. Qui a une accroche, qui marque. Voilà, qui marque, qui accroche. Okay. Exactement. Et puis après, on écrit un texte sur le thème de la chanson. On cherche une instrumentale et puis on rappe à la fin du texte. One, two, one, two, three, up.
La musique classique, la musique un peu opéra, ouais. Ouais. Bah, j'avais une certaine image de cette musique et maintenant je dirais que l'écouter pour MP3, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, d'accord, ça marche. Et est-ce que tu avais déjà vu des orchestres, tout ça, en vrai, bidule, ou alors pour toi c'était assez étranger? Oui, mais ça date ça date de loin quand même, ça date de bien 18 ans. Ah, mais complètement. La plupart, ils savaient même pas qu'il y avait un conservatoire à Saint-Ouen, et on est les jeunes là de main-d'œuvre, conservatoire Saint-Ouen. D'accord. Là, je les ai vus, ils regardent les instruments comme ça. Maintenant, ils savent ce que c'est et ils disent attends, si je peux faire de la musique, là, il y a Stérance qui me dit ah, c'est trop bien, mais c'est gratuit. Bah, ils m'ont posé des questions. Donc, au contraire, là, je crois que même très vite, ils peuvent avoir des connexions. C'est super, quoi. En tout cas, félicitations. Alors, César, t'as participé au concert ? Oui. Qu'est-ce que t'as fait pendant le concert ? J'ai chanté. T'as chanté ? J'ai chanté Grand Master Flash. Grand Master Flash ? D'accord. Et t'as bien aimé ? Oui. Ouais ? J'ai vu qu'à un moment, t'as dansé, t'as fait un petit solo. Oui. C'est quelque chose que tu avais préparé ou pas? Non, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, super. Est-ce que tu savais ce que c'était le hip-hop avant? Le rap, le hip-hop. Tu t'en avais déjà entendu? Non. T'en as jamais à la radio? Pas spécialement. D'accord, et donc là c'est la première fois que tu écoutes, que tu entendais du rap? Un petit peu. Et ça t'a plu ou pas? Oui. Ouais. It's like a jagger sometimes, and they call it how I keep going together.
trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, make me wonder, I keep on going under. It's like a jungle sometimes, make me wonder, I keep on going under. Close to the end.